À cette heure critique, pour une opération chirurgicale telle que la séparation de l'étatisme et de l'État, une dictature s'impose. Mais celle de la monarchie, non celle des partis, non celle d'un élu des partis, où se retrouverait toute la corruption du parlementarisme avec le despotisme en plus, et qui donnerait vite un nouveau tour de vis à la vieille machine de la centralisation qui vous asservit et vous dépouille. La monarchie n'est pas un parti. Elle ne naît pas des querelles électorales. Tempérée par le sens traditionnel de l'intérêt public et le souci dynastique de l'avenir, son autorité peut s'appuyer sur des assemblées représentant les grands intérêts agricoles, industriels et commerciaux. Délivrer le suffrage universel de ses corrupteurs, simplifier les rouages et les formalités des administrations, apporter, en un mot, les nouveautés et les changements nécessaires. Elle seule peut en finir avec le système de confusion où, tout le monde s'étant mêlé à tort et à travers des affaires de l'État, l'État s'est pareillement mêlé des affaires de tout le monde. Je représente les principes qui rendront à l'État la plénitude de l'impartialité, de l'indépendance et de la stabilité. Français, où l'autorité et les libertés de la monarchie, ou l'oppression de l'anarchie socialiste. Ces grandes vérités politiques ne dépendent ni de vous, ni de moi. Lorsque j'en ai reçu la garde, avec la vie, pour les transmettre intactes à mon fils, j'ai hérité aussi du devoir de les rappeler à la nation française, et, s'il plaît à Dieu, quand il le faudra, je les appliquerai au gouvernement du pays, en utilisant le concours des Français de toute origine et de toute condition, librement organisés et représentés. D'un sang qui sert la France depuis plus de 1000 ans, le petit-fils de Saint-Louis et d'Henri IV est prêt à reprendre avec vous la grande œuvre de conservation et de progrès que désirent du fond de l'âme tous les patriotes et les gens de bien. Jean, duc de Guise, en exil le 30 janvier 1933.